fait, j'ai 140 ans, mais j'ai arrêté de grandir il y a 120 ans. Ça va, y a pas trop de chiffres pour toi, tu gères. Et toi, t'es qui? Tu comptes.
sont souples.
Samuel. J'ai oublié son prénom. J'ai oublié. Robot, tu me diras, ça ne regrette pas. C'est pas mon truc, je loupe à moi. Et c'est quoi ce truc, c'est un Y? C'est une prof de maths. Ah, c'est un poireau. Ça, c'est un poireau. Ça chatouille le bout du nez, t'as vu? Bon, moi ça me fait rire, ça fait longtemps que j'ai pas. Pauvre petit lapin, je vais lui enlever les mains du derrière. Bon, c'est bon, c'est pas très élégant. S'il est moche, qui ressemble à rien et qu'il a...
vois, avec des contrefaçons. Non, mais c'est affligeant de voir que t'en as rien à faire. Voilà, voilà. Ensuite. C'est quoi ça? Non, mais merci, je vois très bien que c'est une licorne. C'est-à-dire, il y a une corne sur un cheval, c'est une licorne. Mais comment c'est? C'est moche de grand. Bah, c'est-à-dire que déjà, c'est trop blanc, c'est trop rose, c'est trop jaune, et il a que deux pattes. Ah, bah, c'est triste pour un animal d'avoir que deux pattes. Je vais la refaire. C'est triste pour un cheval d'avoir deux pattes. Bah, le canard en a deux. Il vit très bien avec, mais tu marches avec ça, toi? Genre. Non, c'est pas possible. Et vraiment. Genre, tu dors avec ce truc. Mais déjà, ça a une tête. Excuse-moi, mais j'ai peut-être l'esprit mal placé. Mais voilà, tu sais très bien de quoi je parle. Donc, déjà, ça ne ressemble à rien. Et puis, ça n'a rien à faire. Genre, tu n'as que des peluches. Oui, bon, tu as une rouge et une bleue. Mais ça, c'est pour les filles. Tu l'as volé à quelqu'un, c'est pas possible. T'as pas de frère et de sœur? Ah, parce qu'on te l'a. Tu te l'es acheté dès les bières. Non, mais là, je peux plus rien faire pour toi. On va cohabiter, mais je pense que ça va être un enfer, autant pour toi, pour moi. Quoique plus pour moi. Parce que j'en ai connu des gens bizarres, mais des trucs qui se baladent avec des licornes dans leur lit, bon, moyen quoi. Bon, je passerai sur cette espèce de Pikachu qui a l'air d'avoir une grave maladie. Il ressemble pas grand-chose. Attends, 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 je vois un truc derrière moi. Mais il est beaucoup trop mignon. Tu vois, quand tu veux, t'as des goûts sympas. Mais il est beaucoup trop mignon. Il y a un petit pingouin. Tu l'as acheté où? Oui, je m'y intéresse subitement. Ça paraît fou, mais. Mais non, mais tu ne peux pas résister à côté de ça. Tu l'as acheté où? Australie. Excusez-moi, monsieur Van Australie. Pardon. Je quitte pas ma chambre en fait. J'ai pas les moyens de quitter ma chambre. Toi, tu vas en Australie. Pour toi, c'est peut-être rien, mais pour moi, waouh, Australie, quoi, déjà. Je vais même pas argumenter parce que là, tu me déprimes. Tu dors avec tout ça, punaise, mais non, mais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais. Attends, t'en as jeté, rassure-moi. Genre, t'as pas tout ça tout le temps. J'aime vraiment pas ta décoration. Ah, mais j'espère que tu vas passer un Halloween horrible. Ah, bah, parce qu'on se parle pendant la période d'Halloween. Donc, je fais ce que je peux pour te dire ce que je pense dans un laps minimum de temps. Ah, bah, j'espère que tu vas passer. Oh, oui, je te demanderai à mes amis fantômes de venir te hanter le jour d'Halloween. Ah, bah, ça serait plus fait pour une nature. Mais là, c'est vraiment pas possible, quoi. Bienvenue dans ma chambre, du coup. Je suis ravie, enchantée. Oui, j'ai dit que j'étais plus gentille avec toi parce que tu m'as offert deux peluches. Mais je ne suis pas un bébé, tu ne m'achètes pas avec des bonbons. Je les ai, je les garde. Ne t'attends pas à ce que je sois gentille, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà. Donc, bon, bienvenue dans ma chambre. C'est un plaisir de t'accueillir ici. Et puis, bon. Voilà, voilà, quoi. Je sais même plus comment tu t'appelles. Ah oui, c'est vrai, t'as un prénom. C'est même plus possible de s'appeler comme ça, vu ton époque. Oui, bah je critique ton prénom. De toute façon, t'as acheté toutes mes affaires, donc j'ai le droit de faire ce que je veux de toi. Bon, ben, je vais te laisser. Maintenant, je vais pas te laisser. Je reste ici, mais je vais me mettre dans un coin pour t'observer. Et la nuit, oui, je ne dors pas la nuit, tu t'étonnes. Donc je m'assoirai. Je ne sais plus la conjugaison de verbe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je me mettrai dans un coin et je te regarderai dormir les yeux.